J'ai méga archi le seum, je dois recommencer l'intro du jour puisque celle d'avant elle est floue. Bref, en tout cas mes amours, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je vous disais dans l'intro précédent? Que ce costume de Mère Noël me gonfle puisqu'il ne me fait pas une shape de malade. Le Mère Noël c'est censé être sexy, j'ai pas envie de ressembler à une mamie. Mais du coup là je fais plus partie de la team retraitée. Bref, en tout cas aujourd'hui, nouvelle journée, nouveau défi, incroyable. Mais bref, dans ma hotte de Père Noël où il n'y a qu'un défi puisqu'il y a le défi du jour, qui est déjà déplié puisque je retourne pour une seconde fois cette intro, je suis au bout de ma vie. Aujourd'hui c'est Andrea qui nous a donné le défi de faire une vidéo ASMR food. J'ai trop hâte de le faire puisque l'ASMR c'est un de mes plus grands rêves, je vous mens pas. Je sais pas pourquoi je commence maintenant parce que j'ai pas de micro adapté, il faut que j'aille l'acheter. Ah oui, ce qu'on va faire c'est que ça va être marrant parce que moi j'ai la voix grave qui porte déjà, donc je vais pas trop y arriver. Mais en tout cas on va faire une ASMR food avec une personne que vous adorez, que vous idolez, qui n'est autre que Jojo. J'ai trop mal fait tourner trop ma gueule. Mais en tout cas on va faire une vidéo ASMR. Je sais pas si vous vous rappelez, je lui avais fait goûter des produits russes et on va faire ça à nouveau, une redégustation russe en vidéo ASMR. Ça va être super méga giga archi drôle. Pensez que vous avez capté que ça va être drôle ou pas? Du coup aujourd'hui mon bébé Andrea, ton cadeau c'est le Glam Glow Insta. Qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est un produit archi méga instagrammable et je veux que tu l'instagrammes et que tu me tailles. C'est un masque que tu mets sur ta peau qui en 60 secondes va mousser et va permettre une hydratation complète et refermer les pores de la peau. Donc franchement il est super bien, super agréable à faire, tu vas kiffer. Et nous, on fait un clap. 3, 2, 1. Faut refaire parce qu'on n'a pas fait en même temps. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Bon, je fais clap tout seul. 3, 2, 1. Clap final. Tu peux mettre mes bacs de ma collection avant de commencer la vidéo? Bien sûr, mon cœur, je suis là pour faire la pub gratuite. Chut, rigole en ASMR. Ayou. Tu ressembles. Tu ne connais vraiment pas les bijoux discrets. Arrête de t'approcher quand je m'approche. La tête de ma mère, à chaque fois qu'elle parle, le mec qui... On dirait un putain de pervers. En gros, là, je vous présente Jojo, Jojo, Johan Babs. Nous allons faire une dégustation de nourriture russe. Russe. Tout ce que j'aimerais vous dire, c'est que j'ai hâte de remanger Kukulus. Tu sais par quoi on va commencer, oh papa? C'est ce qu'on fait pour gagner notre vie. Ils sont meilleurs que la dernière fois, oh papa. Oui, parce que je me suis trompée sur ceux que j'aimais. T'en manges un deuxième. J'adore ça. Tu vas devoir dire le nom de ces cornichons. Mais elle c'est pas le Choc, casa, choc, choc, choc. Casa, casa, choc. Mais bien sûr que si vous avez racheté du Talroom. C'est pas du Talroom. C'est marqué Talroom. Maintenant, c'est au pain. Tiens, attends, je vais me rappeler, donne-moi un indice. Je vais me rappeler. C'est une boisson à la levure de bière au pain. Non. Mais si, je me suis dit. C'est pignon pain. Pignon. Sapin. Vous parlez super fort pour une séance ASMR. À ce moment-là, on filme la vidéo et on part. Merde. Comment ça s'appelle en russe? Baïkal. Kal, kal. Baïkal. Kal. Kal. Baïkal. Ouvrez-moi ça. Doucement, votre micro à 200 euros. Oh, votre bouche est si pulpeuse. Est-ce que c'est naturel? Dégueulasse.
suis contente. Je suis choquée. Comment c'est dégueulasse. Fais-moi goûter. Ikla abarakarakanani à Java. On n'a pas pris de couteau, couteau, couteau. Est-ce qu'on peut pas le mettre avec des biscuits? Non. C'est trop fort. Doucement. Il est dur. J'ai une brique, wesh. C'est une brique. Une brique de merde. Ikla akabayaka Java. Non. Redis. Ikla. Baklaja Navaya, Ikla. Ikla. Baklaja Navaya, Ikra. Ikra, Baklanaya Javaya. Oh, Zebi. Baklaja Navaya. Baklaja Navaya. Ah, bien. On peut tremper directement. C'est mon truc préféré. Et c'est super bon. Hein. Regardez, Ikra, Baklaja Javaya, tout ce que je mets sur mon toast. Ikra, Baklaja Navaya, 10 sur 10. 10 sur 10. Non, t'avais dit dans la première vidéo, je la connais pas cœur. Ah non, mais moi, avec la Nabeka Java, je mets 50 sur 10. On te rappelle. Oui, toujours 50 sur 10 au magasin. Le pot. Il est en crise d'hypoglycémie, le pélo. Faut que je prenne ce machin. Il a oublié la SMR. Il veut juste grailler le pélo. On enchaîne avec du salé. Salé. Ah, mais tu fais trop de bruit. Les gens gardent ça pour s'endormir. Personne va regarder toi et moi pour s'endormir. C'est Ikra Bouski. Ça fait quoi Ikra? Mais Ikra ça veut dire quoi? Caviar. Donc ça c'est caviar de fer. Caviar. Ah Ikra. Donc Aknabayana Java ça veut dire aubergine. Baklaja Navaya. Baklaja Navaya ça veut dire aubergine. Oui ça veut dire aubergine conjuguée. Parce que aubergine tout court ça veut dire baklaja. Baklaja. Baklaja c'est une aubergine mais c'est déjà beaucoup plus facile à dire. Baklaja Navaya c'est genre aubergine mais conjuguée. Au pluriel. Non. On conjugue pas une aubergine. Qu'est-ce que c'est que ce beans? C'est n'importe quoi. Tu vas voir avec Poutine. J'ouvre les œufs de poisson qui m'ont coûté super cher et que Johan veut jeter à la poubelle. Ah, je mange. Comme Étienne. Attendez, moi je goûte. Ah, je vais vomir. T'as le goût de la mer, comme la première fois. Oh, mais dis pas, t'as racheté. J'ai racheté quoi? Les bâtonnets de poisson. On avait dit c'était très sale et putuc. À manger. Comment ça s'appelait déjà ça? Demain l'indice. Tu me l'avais dit. Je me rappelle de tout. Je protéçais des petites crevettes, des petites sardines. Snack consisting of Pacific. Ah, c'est avec du. Oui, sésame. Crème de sésame. Mais ça, c'est pas les poissons. Non. Ça, c'est zakouska. Zakouska, c'est apéro. C'est pas le truc de poisson. Comme la première fois. Ça. Ah ouais, ça pue le poisson. Dégueulasse. Et très salé. Pourquoi ils ont rajouté des graines de sésame dessus? C'est illogique. J'en mange bien. Cornichon. Allez, donne-moi d'autres trucs. T'as encore pris une babiole avec Laura sur le paquet. Ça s'appelle... C'est des graines de tournesol. Et cosinac, ça veut dire quoi? J'en sais rien. T'es vraiment nul, je croyais que t'étais bien. Ça, les gens. J'aime pas trop les papillons avec des graines. Je me retourne, j'ai une immense bouche siliconée. Chamallow. Ça, on n'avait pas goûté pendant la première discussion. Tu fais un boucan. On n'avait pas goûté. Ça a l'air super sympa. Ça sent le cassis. Oui. Cassis. C'est normal, c'est ça la pâte à mon cassis. J'ai pas envie de finir le cassis. C'est pas bon. Ça, t'en manges un. T'as le diabète. Pour la vie. Faut que je fasse passer avec chez Malaco ou bien oui, le clou du spectacle. Le clou du spectacle, c'est pour après. Il nous reste pas tant de choses. Je pense qu'on devrait boire un peu. Et boire avec les petits singes, c'est marqué quoi? Le petit singe, c'est mon dessin animé préféré, Chipurajka. Je peux vous chanter la chanson si vous le souhaitez. Tu parles trop près du micro, ma belle. Si vous souhaitez, chante. Je peux chanter la
chanson. В траве сидел кузнечик, совсем как огуречек, зелененький он был. Представьте себе, зелененький он был. Представьте себе. Ouais, c'est l'hymne national de la Russie. J'ai super peur. Puis c'est quoi ce petit son? C'est Chipourashka. C'est le tempo national de la Russie. Chipourashka, ça. Chipourashka. Et ça, c'est marqué quoi? Limonade, limonade. C'est de la limonade. La limonade Chipourashka. Ça a l'air super sucré. C'est pas de la limonade. C'est quoi? Bah, ça a pas le goût du citron. Tran, tran. Ça a le goût de nous, reine, reine, reine. On dirait un médicament. Berk. Oh, ça c'est super bon. Il y a encore des petits bonhommes dessinés dessus. Pourquoi t'es agressif comme ça quand tu chopes le paquet? Oh, c'est de l'ASMR. Je suis navré devant toute la communauté ASMR. Ça a pas trop de goût, mais ça croustille bien. On trinque. C'est ça que le sucré ou salé? Je peux en manger sans fin. Aucun intérêt. C'est vrai, ça fait grossir. Mais je sais pas, j'aime bien la sensation. Je vois ce que tu veux dire. Tu sais, du petit anneau que tu tiens comme ça et que tu t'écroules de temps en temps. Je pourrais en manger des tonnes. Je vois exactement ce que tu veux dire. Genre, ça sert à rien, mais c'est pas non plus néfaste. Genre, je pourrais me poser devant Netflix et grailler. Souchke. Souchke, souchke. Ça veut pas bon, mais c'est pas mauvais. Ça veut dire sec. Souchki, bah ouais, je te jure. Voilà, j'ai envie d'en prendre. T'aimes bien Souchki? Je te laisse Souchki. Pas trop, non. Tu viens quand même d'en manger un deuxième. Le clou du spectacle. Non, le clou du spectacle, c'est on a gardé mes deux meilleurs trucs. Le premier, c'est... Kukuruz Nepalchki. Et un tonnerre d'applaudissements pour Kukuruz Nepalchki. La première mixtape de Kukuruz Nepalchki. Maja et Mishka en plus. Maja et Mishka qui a la ref de la vidéo du sac. Je t'ai pris un géant paquet parce que c'était ton anniversaire. Je suis hyper flatté. Maintenant la boule, le collier. Tu pourras en mettre à la soirée de ton anniversaire dans un bol. La tête de ma mère. Alors ça, je peux pas le faire en ASMR ça. Ça faut que je vous le dise en voix haute. Oh, ils sont toujours aussi bons. Ah ouais, c'est incroyable que vous n'êtes pas arché. C'est super bon. Johan, j'avais oublié le goût. Ah, je suis choqué. C'est comme du popcorn, mais meilleur. C'est encore meilleur, c'est pas jamais ce qu'il y a. Mais tu t'empiffres. Mais tu sais ce que ça veut dire en plus? L'aide oiseau. J'ai vu notre vidéo parc. Fais écouter DJ Malaco. Pourquoi on a ASMR les gens se... L'aide oiseau. Les gens se répètent en vrai. Je ne vous le présente plus. DJ Malaco. Mais tu m'en as mis un aussi. Bah oui, ouais. J'attendais que tu partages. Mais... DJ Malaco, ça se partage pas, ça se vit. Toi, t'as déjà dit chez Malaco. Mais ils sont gros ceux-là. J'en ai mangé 4 hier. Mais parce que l'autre fois, c'était pas mes préférés, ça. Ils sont c'est meilleurs. Mes vrais préférés. J'ai des Kinder Pingui. C'est des. Même votre emballage, il est kitsch. Il y a des signes sur un lac avec des fleurs. Pour un chocolat à la guimauve. Chicha. Chicha divna, ça. Chicha divna. Chicha divna. Oiseau sacré. Oiseau sacré. Sauf que ça. Vu que je suis sympa. Tu me les donnes? Oui. C'est mon cadeau d'anniversaire? Oui. Un oiseau sacré. Je te fais livrer ça avec une carte d'anniversaire. Et la beurre des Joannes en gaz comme ça. Ils sont durs à trouver. Tu veux terminer? Miner. Oui, parce que je veux manger et fumer. Ah, moi aussi, putain. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Vidéo. Et la morale de l'histoire. Чичья молоко. Кукурузные палочки. Птичья дивина. Икла окна, балакна, накрал, руба, банан. Насилия лева, алия, джава.
Ouais, c'est bon, merci non, pour bon, ce défi. Merci de ouf, franchement. Ça m'a saoulé, j'en ai mal à la gorge. C'est bon, frère. Chiche Malaco, un délice au co, ça change pas. La vie de ma mère, je rentre à Lyon, je t'envoie un carton. Ouais. On vous embrasse. A très vite pour une nouvelle vidéo, enfin demain. Du calendrier de l'avant. Ya ya ya. Ya ya ya. Et acheter ses colliers et ses bagues. Elle a besoin de.